Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023. Nous recevons Monsieur Placide, militant de la Lucha. C'est Mathieu en direct et en exclusivité. Monsieur Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur journaliste et merci beaucoup pour l'accueil. Vous allez bien, j'espère. On se porte moyennement bien, malgré quelques soucis sanitaires, mais on tient les coups, on est là. Alors, ce matin, nous allons analyser plusieurs questions d'actualité avec vous. D'abord, on commence par cette information annoncée par l'EAC. L'EAC, en tout cas, qui annonce le rétablissement de la sécurité par les troupes kenyanes sur l'axe Goma, Kibumba, Rumangabo et Rutshuru. Voilà, on a vu même des images qu'ils ont relayées sur les réseaux sociaux. Comment vous analysez cela? En fait, l'EAC ne peut que prononcer de tels propos, de tels discours. Mais quant à nous, comme population, ne faisons pas confiance en toutes ces déclarations. Et d'ailleurs, d'après certaines indiscrétions, nous avons appris les renforcements de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu via la cité de Kibumba. Donc c'est juste nous mettre de la poudre aux yeux, mais en réalité, il n'y a aucune avancée parce que jusque-là, même la voie routière de Goma vers Rutshuru, vers Kiwanja, ce n'est pas encore praticable, donc il n'y a rien comme garantie par rapport à leurs propos. Et nous ne pouvons pas nous laisser distraire par ces genres de déclarations, parce que ces genres de déclarations ne visent qu'à endormir notre armée, mais aussi à endormir notre population qui est tellement vigilante. C'est pourquoi, comme citoyens congolais, nous ne pouvons pas quand même nous fier à de tels propos venant de l'EAC, surtout encore l'EAC, une structure qui est en quelque sorte une structure complice de notre misère, parce que nous ne parvenons pas à comprendre comment est-ce que nos agresseurs, l'armée rwandaise qui travaille sous couvert du M23, parvient à se renforcer au travers une entité dans laquelle cette même force de l'EAC, surtout l'armée kenyane, est en train de contrôler. Donc là, à Kibumba, on ne peut pas se voiler la face. Et d'ailleurs, ces gens de l'EAC, nous avons appris qu'ils ont interdit à nos compatriotes résistants de pouvoir accéder à la cité de Kibumba. Même nos FRDC n'ont pas accès à ça. Donc là, il ne faudrait pas vraiment que ces gens puissent nous tromper. Et nous allons toujours rester vigilants par rapport à la surveillance de nos entités et à la surveillance de notre propre sécurité. Alors, vous parlez de l'entrée de l'armée rwandaise dans les Kibumba. D'où tirez-vous cette information? Qu'est-ce que nous devons retenir? Disons, qu'est-ce que nous pouvons savoir de plus? Bon, en fait, il y a des informations qui sont données par la voie officielle, mais aussi il y a des informations qui nous parviennent par voie officieuse. Et au moins, nous sommes fils du Nord Kivu et nous faisons aussi des descentes. Il y a la société civile qui a alerté. Effectivement, la société civile alerte sur de tels mouvements, mais au-delà de ça, on a aussi des personnes contact qui nous livrent des informations en qui nous faisons confiance, parce que on ne doit pas quand même attendre toutes les informations sur radio, soit sur des communiqués officiels, vous comprenez au moins. Et ce sont des genres d'informations, c'est de là où même nos services de renseignement doivent beaucoup plus renforcer leur manière de travailler et en se penchant surtout sur de telles informations. Parce qu'en soi, un danger n'arrive pas le même jour où ça s'opère, en fait. Ça prévient. Donc ça prend un peu du temps, mais au travers de telles alertes, au travers de telles rumeurs, ça permet quand même d'orienter nos services de sécurité et ça permet aussi d'orienter nos services de renseignement pour voir comment nos vaillants ou soit notre armée va prendre des mesures adéquates afin de voir comment barrer route à nos agresseurs. Alors, quels sont les Rwandais concrètement qui nécessitent de déployer ces militaires sur le sol congolais? En fait, le Rwanda est en train de jouer à sa survie, d'autant plus que c'est au travers des pillages de nos ressources
que eux reçoivent comme butins de guerre avec différentes sortes d'agressions, c'est au travers ces genres d'actions que ces gens ne vivent, en fait. Et à part ça, vous savez, en soi, partant de certains degrés d'influence, il y a le président rwandais qui veut à tout prix avoir le contrôle de la RDC sur différents services. Vous êtes d'accord avec moi que depuis les RCD, okay, ils ont réussi à faire intégrer différentes personnes dans différentes institutions de la République démocratique du Congo. Alors, c'est à travers ces rythmes-là que ces gens veulent à tout prix nous contrôler et avoir une mainmise directe sur tout ce qui cadre ou soit sur tout ce qui peut revenir à la nation congolaise et quelque part avoir un œil regardant sur la politique interne de la RDC au travers ces espions qui sont dans différentes institutions du pays, que ce soit dans des institutions publiques, des institutions étatiques, partout là-bas. Ils avaient réussi à faire intégrer les leurs et ils veulent continuer avec ce même système pour que nous soyons toujours en dessous d'eux et que nous soyons en quelque sorte dépendants de leur personnalité, en fait. Pourtant, ça serait en quelque sorte une façon d'être esclave dans son propre pays. Donc c'est là où nous sommes en train de rappeler à la population congolaise de ne pas accepter de rester esclave d'une quelconque politique externe. Surtout encore le Rwanda qui a longtemps endeuillé nos familles, qui a fait en sorte que nous puissions perdre beaucoup de nos compatriotes au travers de toutes ces bavures qu'il est en train d'orchestrer dans la province du Nord Kivu. Et qu'est-ce qui doit être fait pour stopper et arrêter les Rwandais? Où c'est là, en fait? En fait, les Rwandais est poussé par les grandes puissances. Et maintenant, c'est avec cet orgueil là-bas que le président Paul Kagame, il se permet de faire du n'importe quoi dans la sous-région, oubliant que la stabilité de la République démocratique du Congo serait à l'avantage non pas seulement de la sous-région, mais de toute l'Afrique d'une manière générale. Et maintenant, ce qui doit être fait, c'est que la population congolaise d'abord doit prendre conscience de la grandeur de notre nation. Et au-delà de ça, nos dirigeants doivent savoir comment jouer une bonne diplomatie avec des pays partenaires qui sont quand même fiables, qui sont sérieux. Parce que vous allez comprendre, dans la relation internationale, il n'y a que c'est du gagnant-gagnant. Et maintenant, lorsque on se fie à des partenaires qui ne nous aident à rien, comprenez que nous serons en train de perdre du temps inutilement. Au-delà de ça, nous devons beaucoup plus concentrer nos moyens sur notre armée. Parce qu'en soi, on dit toujours, qui veut la paix, prépare la guerre. Donc c'est quelque chose qui est indiscutable et on ne doit pas quand même essayer un peu d'oublier ça. On ne doit pas faire abstraction à la réforme ou soit à l'encadrement décent de notre armée afin que nous puissions voir une montée en puissance de nos voyages militaires. Donc, c'est à ce niveau que notre gouvernement doit beaucoup plus concentrer tous les moyens possibles afin que nous puissions être prêts à barrer la route à tous nos agresseurs, en fait. Donc, c'est ce dont nous pouvons suggérer à nos autorités, mais aussi à nos compatriotes congolais, de prendre conscience et qu'il y ait quand même une certaine dose du patriotisme dans tous les postes de responsabilité que nos gens, que nos Congolais, nos dirigeants sont en train d'occuper, au fait, afin de rendre service comme il se doit. Parce que nous n'avons qu'une seule patrie, nous n'avons qu'un seul pays, et il nous faudrait défendre ça jusqu'au sacrifice suprême. D'accord. Alors, revenons sur cette question aussi. Il y a quelque chose qui est assez annoncé, les retraits, en tout cas total, d'un rebelle à Bounagana. Mais la population, en tout cas, confirme toujours la présence de ces rebelles à Bounagana. Il y a d'ailleurs certaines sources qui disent que les M23 portaient déjà même les uniformes ou alors la tenue militaire de l'armée. Disons de l'armée ougandaise, ils sont vraiment à Bounagana. Comment comprendre cela? En fait, l'EAC, c'est elle qui est en train de servir de béquille aux éléments rwandais
sous pseudo M23. C'est l'EAC. En soi, il ne faudrait pas quand même cacher la vérité à la population. Et au moins, tous ensemble, sommes là. Et nos compatriotes, en fait, la population, quant à elle, elle ne ment jamais. Parce qu'au moins, il réside dans toutes ces entités. Et alors, ce n'est pas seulement porter la tenue des éléments des troupes ougandaises qui viennent au nom de l'EAC, mais ces gens perçoivent même des taxes. En soi, l'EAC est en train de jouer une double carte. Parce que vous allez voir, l'EAC fait que notre armée soit endormie, fait en sorte que notre gouvernement se laisse distraire par ces arrangements. Mais entre-temps, l'EAC permet aux éléments rwandais de pouvoir s'organiser. Parce que vous allez voir, lorsque ces gens disent que les éléments du M23 sont en train de se retirer dans différentes entités jadis conquises, c'est une façon de nous distraire. Et alors, la réalité est que ces gens ne bougent même pas de là où ils sont en train de dire qu'ils dégagent, en fait. Et en étant sur place, imposent leur administration et font payer même des taxes. Et pourtant, ce sont ces mêmes taxes qui serviront encore pour leur réorganisation. Et ainsi, après un moment, une fois que ces gens vont se sentir qu'ils sont déjà encore bien outillés financièrement, vous allez voir, ils reviendront encore avec force, parce qu'en soi, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas ignorer que la guerre, elle est aussi économique. Et si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas lancer une guerre, vous ne pouvez pas quand même vous lancer dans n'importe quelle tendance liée à la guerre. Donc c'est dans ce contexte-là que nous disons, cette force de l'EAC est en train de nous tromper. Et on ne doit pas quand même se laisser distraire par cette force. Et d'ailleurs, à notre gouvernement de faire le maximum possible pour exiger le retrait de toutes ces troupes de l'EAC et que ces troupes puissent rentrer dans leurs pays respectifs. Et certainement, vous aviez tenté d'organiser des manifestations à l'étranger. Non, non, on ne peut pas quand même abandonner la lutte. Nous sommes en train d'user différentes stratégies afin de contraindre notre gouvernement, de résilier tout ce qu'il y a comme contrat avec toutes ces forces étrangères. Et, mais aussi, nous ne pouvons pas laisser l'EAC en électron libre dans notre pays. Parce que d'autant plus que cette force de l'EAC vient de nous prouver aussi sa complicité face à la misère de la population congolaise. Et pire encore, cette même force de l'EAC va donner du poids encore à la MONUSCO. C'est là où vous avez vu dans les jours qui viennent de s'écouler, de cette même semaine, le général Diop Niaga s'est entretenu avec les commandants de la MONUSCO, disant qu'ils vont commencer à travailler ensemble, chose que nous n'allons pas accepter, parce que ni la MONUSCO, ni l'EAC, toutes ces forces sont là juste pour accroître encore notre propre misère. C'est pourquoi nous ne pouvons pas permettre à ce que ces gens puissent encore œuvrer dans notre pays comme si ils sont à la hauteur de leur service, de leur mission. Pourtant, nous, sur notre propre pays, nous sommes en train de constater que ces gens sont en train d'échouer lamentablement. Pire encore avec la MONUSCO, là, et d'ailleurs nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes exigeant le retrait immédiat de la MONUSCO. C'est pourquoi nous mettons en garde, même cette force de l'EAC, de ne pas se livrer à un avocat des diables en soi. C'est pourquoi vraiment nous n'allons pas céder. Les jours qui viennent s'annoncent très difficiles et très cruciaux. C'est pourquoi nous sommes là et nous appelons la population à rester vigilante et à rester toujours à l'écoute. Lorsque les actions seront lancées contre toutes ces troupes étrangères, il faudrait que nous soyons tous prêts. Et vous attendez quoi pour lancer les actions? Non, en fait, les actions doivent être lancées pour ne plus encore arrêter, pour ne plus encore faire des virgules. Effectivement, juste pour contraindre notre gouvernement, même contraindre la force de l'EAC, toutes ces armées étrangères, de quitter le sol congolais. Et pour notre patrie,
au moins nous sommes sûrs et certains que la population congolaise, elle est prête à sacrifier la vie pourvu que nous puissions quand même nous rassurer que ceux-là qui vont rester dans un pays quand même sans beaucoup plus de troubles et vont rester en étant dans toute accalmie. D'accord. Alors, direction Beni, opération FRDC, le général Luitso Masudi de l'armée ougandaise affirme en tout cas la récupération de tous les camps de forte concentration des rebelles ADF et Beni pendant les opérations conjointes FRDC et PDF. Il a dit, je cite, « Aucun cas fort des rebelles ADF existe actuellement à Beni. Tous sont déjà conquis », déclare le général ougandais. C'est de la poudre aux yeux une fois de plus. Personne n'ignore les couloirs qu'a donné l'armée ougandaise à la rébellion du 23 à Beni, et maintenant cette même armée est en train de nous distraire. Non, j'étais en train de dire, personne n'ignore les couloirs qu'a donné l'armée ougandaise à la rébellion rwandaise du M23 ici à Bunagana, et entre temps cette même armée ougandaise est en train de nous distraire là au Grand Nord à Beni. Et maintenant imaginez quand même la manière dont ces gens sont en train de nous prendre en soi. Ils nous prennent pour des petits enfants, ils viennent de nous dire que tous les camps des ADF sont déjà détruits. Et maintenant, quel est le bilan maintenant des ADF? Parce que détruire les biens, ok, ça peut être possible. Je peux venir ici, je bombarde les bâtiments dans lesquels il n'y a personne. Et maintenant, les ADF sont encore là. Hein? Donc, il n'y a rien qui est fait en soi. Et il fallait peut-être nous dire, ils ont réussi à neutraliser plus de 1 million ADF existants à Beni. Là, quand même, on pouvait faire confiance en ces propos. Mais c'est une façon de nous minimiser en fait. Hein? Ces gens sont en train de nous prendre comme des petits enfants. Ils ont détruit tous les camps, tous les bastions en fait des terroristes des ADF. Ça c'est blaguer avec les gens en soi. Normalement, nous, ce dont nous voulons voir, ce sont les résultats. Mais aussi, cette même armée ougandaise, nous avait confirmé que les ADF existent dans la population. Maintenant, comment encore ce général peut nous dire qu'il y a des bastions, des camps, des ADF là à Beni? Donc, c'est là où nous sommes en train de capturer un peu dans leurs propos les mensonges. Donc, c'est un montage juste pour montrer à la face du monde qu'ils sont en train de travailler. Pourtant, en réalité, rien n'est fait sur terrain. D'accord. Si vous pouvez aller demander à la population autochtone de Beni, ouais, vous allez voir. D'ailleurs, attendons voir dans les jours qui viennent. Parce que cette même option qu'il faut préciser que où nous avons appris en tout cas qu'il y a une trentaine de personnes tuées en Ituri par les ADF. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ils disent avoir en tout cas mis fait presque à tous les cas, plus grands cas des ADF, mais il n'y a pas deux jours où nous avons appris en tout cas des dizaines de personnes encore massacrées par les ADF. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Ces gens nous prennent comme des petits enfants juste pour nous distraire, mais aussi pour redonner une bonne image à la communauté internationale, à cette opération conjointe FRDC-UPDF. C'est dont nous sommes en train de souhaiter que ça soit rompu, parce que c'est aussi une opération qui est budgétivore, qui nous prend juste un budget inutilement. Ça a été évalué et apprécié par les deux chefs d'état-major généraux des armées, donc RDC et Ouganda, qui étaient à Beni quelques jours. Bon, en fait, l'appréciation des généraux, c'est leur affaire, mais la meilleure appréciation doit émaner de la population victime. Alors, on va finir par cette actualité. Bien sûr, hier, c'était une journée chômée et payée à l'RDC, déclarée il y a quelques jours par le président Tshisekedi et dédiée en tout cas à la lutte africaine qu'a menée M. Simon Kimbangu. On a vu des mobilisations partout, à Goma, Kinshasa, Lubumbashi. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée, en tant que militant aussi? Pas seulement en tant que militant, mais aussi en tant qu'un panafricain, un nationaliste,
Nous sommes vraiment contents de cette journée, d'autant plus que le chef de l'État a reconnu en soi les efforts de Simon Kimbangu. Hein? C'est vraiment un combattant de la liberté, parce qu'il a accepté de mourir pour la liberté du peuple congolais, mais aussi pour l'indépendance de toute l'Afrique. Il a pu passer plus d'une trentaine d'années en prison, mais partant de ses exploits, il est revenu en étant en vie. Pourtant, on a appris, hein, selon l'histoire, les détenus, le fait que Simon Kimbangu avait passé son temps de détention sans aucune visite à l'époque coloniale en soi. Donc, c'est un prophète en soi, parce que pour nous, les Congolais, nous partageons vraiment cette nouvelle, et il faudrait que ça prenne l'ampleur de toute l'Afrique entière, d'autant plus que c'est un militant qui a combattu pour l'indépendance spirituelle de toute l'Afrique. Et au-delà de ça, nous voulons à ce que qu'on puisse même lui ériger des monuments dans toute la République démocratique du Congo. Parce que dans toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes. Merci pour cet éclaircissement. Donc, c'est ce dont nous pouvons recommander. Ce serait une manière encore de reconnaître ses efforts salides qu'il a pu mener pour l'indépendance de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière. Merci beaucoup, Classy. Donc, c'est quitte par un message adressé à nos forces armées de la RDC, comme à la coutume. À nos voyants militaires, il faudrait qu'ils puissent comprendre, nous n'avons qu'une seule patrie, nous n'avons qu'un seul pays. Et c'est ce pays que nous sommes censés défendre jusqu'au sacrifice suprême pour que notre progéniture puisse bénéficier de notre lutte d'une manière positive. Merci beaucoup, c'est par ce message fort que nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci, M. Placé, d'avoir été là. C'est plutôt nous qui vous remercions, chers journalistes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci aussi. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Prochain rendez-vous, c'est dans les heures qui suivent. Nous vous disons bye-bye. Bye-bye.